On a été très soudés, très intimes tous pendant la fabrication du film. Et voilà, d'un coup que le film devienne aussi public, aussi vite, qu'on passe du privé au public comme ça aussi rapidement, c'est très exaltant et très intimidant. Et assez merveilleux quand même. Ça y est, je suis en train là d'atterrir et de commencer à réaliser un petit peu ce qui se passe et c'est assez magnifique, ouais. Ce projet de film est né d'un personnage en fait. Moi, je suis parti d'un personnage, j'ai imaginé, j'avais dans la tête des images d'un personnage, d'une énergie, un personnage comme ça qui avançait dans les rues, c'est l'idée que j'avais à la base. Et j'avais l'idée d'une structure, d'un personnage qui est en quête d'amour, qui est hors des règles et qui se déplace de rencontre en rencontre. C'était la structure vraiment que j'avais. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu les embrasses, les clients ? Quoi ? Pourquoi t'embrasses les clients ? Bah, je sais pas, ça me dérange pas. Rien dire, ça me dérange pas. C'est pas une question de déranger. Des fois, j'ai l'impression que t'aimes ça, faire la pute. Et alors ? Alors, ça veut dire que t'as aucune envie de te barrer d'ici. Sérieux, tu crois que je vais succéder que toute ma vie, moi ? J'ai même pas pédé. Pourquoi tu te trouves pas un vieux ? J'ai pas envie d'un vieux. T'as envie de vivre avec un vieux, toi ? Moi, j'ai envie de me barrer d'ici, en fait. Le film n'explique jamais pourquoi le personnage est dans la rue, vit dans la rue, pourquoi est-ce qu'il se vend. La volonté n'était pas du tout pour moi une volonté d'analyse sociale ou une volonté sociologique, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de vivre avec lui, c'était de vivre, de partager. Je crois que c'est un film qui est très sensoriel, qui est très basé sur des sensations. L'idée du film, c'était d'essayer de restituer l'impression de sidération que peut occasionner la violence de l'exclusion. Les personnages n'ont pas de nom, ils ne sont pas nommés, ça pourrait être n'importe quel garçon. Ça se passe dans une ville que je voulais non identifier. Et cette ville, j'ai essayé d'assembler plusieurs types de décors hétéroclites. Donc, on a des lieux qui semblent très français, avec ses voies, ses routes, ses rues à la française. Mais j'ai essayé de trouver des décors un peu plus américains, je dirais, avec ses murs avec des graffitis, etc., qui venaient un peu des influences, des films, moi, que j'aime. Et aussi l'aéroport, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment fonctionne cette ville. On se dit, mais est-ce que c'est une grande ville, une petite ville ? Est-ce qu'on est au bord d'une montagne ? Est-ce pourquoi il y a un aéroport ? Est-ce qu'on est loin ? Et j'ai essayé de déréaliser quelque part cette ville. Je voulais pas qu'on reconnaisse, je voulais qu'on perde un petit peu ses repères. Au tournage, il y a eu ce paradoxe où je voulais quelque chose de très fulgurant. Je voulais faire jaillir un peu l'imprévisible. Et en même temps, j'apportais donc des dialogues très écrits. Il y a eu extrêmement peu d'improvisation dans le film. Il y a eu une ou deux scènes, mais dont je n'ai pas gardé finalement beaucoup. Et les dialogues, je voulais vraiment que les comédiens respectent à la lettre les dialogues, tout en ayant l'air de rendre ça de manière complètement imprévue. Et je trouve que, parce qu'il y avait quand même beaucoup de comédiens qui n'avaient jamais joué de leur vie. Donc c'était compliqué, je leur disais, essaye d'être fidèle à ce que t'es dans la réalité, et en même temps, je ne veux pas que tu t'éloignes d'une seule ligne du dialogue, et je trouve qu'ils l'ont vraiment fait merveilleusement bien, quoi. Ils ont vraiment réussi à respecter ce dialogue-là, tout en étant très naturel, Mais c'est vrai que c'était paradoxal d'arriver à cadrer, de contrôler comme ça les dialogues, et de leur dire que vous êtes libre, c'était un paradoxe, quoi. Tu veux ? Ça. Regarde comme c'est moche. Non, j'aime bien, moi je trouve ça mignon. Non, c'est moche. Ah oui. Moche. Tiens, je te donne mon téléphone. J'ai pas de téléphone, moi. T'en as un maintenant ? Je n'en veux pas, tu veux que j'appelle qui ? Ben, moi. Toi, je peux t'appeler, je sais où te trouver. On a travaillé sans parler de psychologie. Il n'y avait pas de psychologie des personnages. Il n'y avait pas non plus d'histoire. Je ne lui ai jamais raconté l'histoire parce qu'évidemment, moi, je sais évidemment pourquoi le personnage se retrouve là, mais je n'ai jamais expliqué. On a vraiment travaillé sur l'action et on a beaucoup travaillé sur l'animalité.
On a travaillé sur les animaux, on a regardé des images. C'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de l'image du chien, en fait. Du chien de rue, le chien de la rue, c'est-à-dire le chien. Il y a des scènes dans le film où il boit au caniveau, où il dort directement sur le sol, où il a une manière, quand on le frappe ou un truc comme ça, d'encaisser des coups, mais de pas se venger, de pas, voilà, juste de subir et de revenir assez rapidement. Il a cette fidélité, enfin voilà, je trouvais ça émouvant de travailler sur cette figure animale. Et Félix a quelque chose de très animal en lui, de toute façon, à la base. C'est un film de corps, c'est un film de peau, de main, on les voit partout dans le film. C'est vraiment la, je dirais que c'est la texture de base, c'est la matière de base du film. D'abord, moi, je tenais à ce que le corps, la nudité, soit filmée de manière ordinaire, soit une nudité ordinaire. Ce sont des gens dont la nudité est la tenue de travail. L'étalonnage a été une étape vraiment, vraiment cruciale. C'est là qu'on a pu vraiment travailler les textures de peau, amener des personnages, voilà, ça a une certaine sensualité, parfois au contraire la douleur. Mais c'est vrai que les peaux, les corps, traduisent énormément les émotions des personnages dans le film. C'est-à-dire que le corps, le langage corporel raconte énormément sur les personnages.